Qui s'est capété sur le plateau ? Bonsoir. Ce soir dans Rencontre, je reçois David Trouet. David, bonsoir. Bonsoir. David, vous êtes kinésiste, hypnotiseur, médium et accessoirement homme ragondin à la foire du trône. C'est exact. Alors, vous vous êtes spécialisé dans la transformation moléculaire par transmission cérébrale. Oui, je me suis fait connaître en 85 pour avoir forcé une paire de tongs à se transformer en sabot hollandais. Sabot hollandais, c'est impressionnant, oui. Ça. Vous arrivez également à déplacer les objets à distance ? Oui, c'est exact. En 91, j'ai déplacé une table basse de Toulon à Paris. Comment vous avez fait ? En camionnette de location. Vos prévisions sont également réputées dans le monde entier. Oui, c'est vrai. Pouvez-vous nous prédire quelque chose ce soir, un petit peu comme ça, à la va-vite Je prédis dans votre prochaine intervention parlée qu'il y aura les lettres F, O et B. Et quoi d'autre ? Demain, il fera beau. Bof. Bof, F, O et B. Voilà. Waouh. Les voies de la prédiction sont impénétrables. Alors, beaucoup de gens ne croient pas en votre pouvoir. Vous avez voulu ce soir leur adresser un message. C'est notre rubrique Message personnel. On écoute la chanson que vous avez choisie. Bonjour, madame la vie. Que la lune est bonne. Je vais aller voir Rocky avec Sylvester Stallone. Yeah! Avant de nous quitter, vous avez bien voulu, ce soir, en direct, tenter une transformation. Oui, c'est vrai. Ce soir, donc, devant nos caméras, vous allez tenter de transformer une simple saucisse en merguez. Je vais essayer. On vous laisse faire. Saucisse. Saucisse. Tu entends ma voix, rien que ma voix. Tes paupières sont lourdes, saucisse. Ces saucisses, tu te transformeras, saucisse, en merguez, sous mon commandement, et c'est moi qui décide, et c'est moi qui dis ce que tu dois faire, et tu seras une merguez dans 3 secondes, je vais compter jusqu'à 3, tu vas passer d'une simple saucisse à une grosse merguez désireuse. 1, 2, 3, tu es une merguez. Ça n'a pas marché. Non, non, mais je vois que vous riez, vous ne croyez pas en ce que je viens de faire, allez-y goûter là pour voir. Excusez-moi, je rigole peut-être, non, mais effectivement, je comprends, c'est la première fois. Ça n'a pas. C'est une merguez. Qu'on se le dise pour dire. C'est une merguez. Vous avez ri en regardant Pearl Harbor, vous rôtez dans les églises, appelez-nous et venez nous en parler dans Rencontre. Bonsoir. Il y a quelqu'un qui a lâché une caisse.